Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et aujourd'hui je vais présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos d'une astuce sur la map Voyage of Despair. Alors dans Voyage of Despair, vous pouvez vider l'eau. Pour vider l'eau, il va falloir bien sûr accéder à toutes les zones. Donc quand vous avez accès à toutes les zones, donc là on est au spawn, à droite de Danu, vous pouvez descendre dans l'eau. Donc je vous montre comment faire évacuer l'eau tout simplement. Alors ici, non c'est pas ici, donc là il y a le téléporteur, c'est plutôt plus au fond. Et vous cherchez une vanne, donc je pense que la vanne elle est à droite, voilà c'est celle-là. Vous appuyez sur carré, et l'eau va diminuer toute seule. Donc après il y a deux vannes à actionner, parce que là c'est le devant du bateau qui va être vidé, mais il y a l'arrière du bateau aussi qu'on peut vider. Donc je vais vous montrer le deuxième emplacement de la vanne de l'arrière du bateau. Voilà, quand vous arrivez à l'arrière du bateau, il faut descendre juste ici. Ensuite vous allez arriver dans la soute, et dans la soute il y a de l'eau. Il faudra juste la vider, c'est la même vanne, il y a une vanne aussi à vider, donc je vais vous montrer ça. Ouais, c'est par ici, voilà. Donc là, ok. Vous continuez tout droit, vous passez dans le grand frigo au KLM, vous descendez. Et là, il y a la statue de Odin plus de l'eau, ok. Donc pour vider l'eau, il va falloir aller tout au fond à droite. Donc ça, c'est la statue de Odin, elle est juste là. Là, je passe en dessous et tout au fond à droite. Tout au fond à droite, juste ici, il y a une vanne pour évacuer l'eau. Donc voilà, vous évacuez l'eau et vous allez voir que l'eau va descendre au fur et à mesure. Regardez, vous voyez bien qu'elle descend. Je suis pas un mytho. Et ça va vous aider pour mieux voyager. Parce que franchement, voyager dans l'eau, c'est pas si facile que ça. Et surtout que les zombies peuvent facilement vous tuer. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Si jamais vous n'étiez pas au courant, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag like dans les commentaires pour dire que vous avez liké et que vous avez kiffé la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et merci à tous ceux qui le font. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace.